Congoli Panda. Oh, Congoli Panda. Congoli Panda. Si tu es pas na mbuka Congo. Jimmy a choqué. Azuli kanisi ya malamu puna kusepelisa Banambuka Congo. Congoli Panda. Asalili bango Congoli Panda. Peningali puna kuyeba historia Congo. Landa Congoli. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Rendez-vous, Mbote Mingi Payo, Bozomi, les autres, nous avons un peu de plaisir, maman et puis il y a la vision, on a bien avec la maman Didi ou la maman Rika, les autres, on a un plateau, parce que nous avons dit, moi, quand il y a un Katia Masolo, il y a un Beta Masolo, alors on va bien, à ça, vraiment, maman, on a tombé le coup, moi, maman, on a un salaire, il y a presque, tout petit que le temps s'est présenté, on a invité, Yaveline, bonjour. Bonjour Billy. Merci d'abord pour nous répondre à l'invitation, malgré ma rapport rébellé. Bonne santé, bonne Moussala. Ça va, Moussala bien, santé ça va. En tout cas, ça va mieux. Très bien. Moutou Akoutena, Evelyne, rencontre dans Mbonga Oyoua, retenir la bonne ligne par rapport à la présentation. Bon, ce qu'a pu retenir est que Evelyne s'appelle Evelyne Muzengo, nom de la famille, nom de famille. Comme on a Evelyne Muzengo. Aza mariée, Aza licenciée, et puis Aza productrice, il y a beaucoup d'émissions, na RTNC2, Aza la Kaivlin raconte, pour votre nous voyez bien, Aza la paix monde économique, en plus de cela, présente un peu journal télévisé, mais en langue nationale, na Kikongo. Donc c'est tout ce que va retenir d'Evelyne. Très bien. Depuis Moussa Lamou et Bandi, Bayebiomina RTNC, combien d'années déjà dans Katia Ndjouma, ma famille en haut, et puis Moussa Lamou et Bandi, Nengeli. Bon, Moussa la et Bandi, moi Kala. En tout cas, moi Kala, tous en RTNC depuis 99 ans. Kala Benza, on a toujours le collaboratrice, et puis il fallait attendre 2 ans pour tous à l'engager, tous eu coaching et bien. Et puis après engagement, tout continue dans Katia Massoloti. Dans Katia Massoloti, il y a. Il y a Evelyne raconte, bon, ma solo m'a dit que je suis en bureau, ma nini, mais tu continues à faire ma solo, Evelyne raconte. Mais où est-ce que tu as? Combien d'années déjà? En tout cas, bah, une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Où il y a pour ça la presse? Non, la PCO est la Guyane. En tout cas, modèle, à l'époque, déjà, à la RTNC, il y avait des dames comme il y a Lubumbashi, Rose Lukanu, il y a Chantal, Dada Chantal Kanimbo, il y a Nicole Dibambou, avec les temps aussi, on voit des mamies, il est là, Ozo Kabel Lenguinde, Ozo Samusana, Ozo Kitoko, Ozo Lula Bango, Ozo Sepela, et puis bon, Talaga. Fier, il y a Ozo Alelo, moi c'est Africa. Oui, bien sûr que oui. En tout cas, c'est une fierté pour moi. Et ça, c'est mon casque, moi, c'est africain. Et puis, la femme africaine, c'est en fait l'incarnation, il y a bonne valeur. Bien qu'il y a dépravation dans la jeunesse, par exemple, ils ont les lots contenus à avancer à technologie qui nous a apporté, comme à l'âme, Nape Amabe, l'internet et consorts, comme à l'âme. Pour moi, la femme africaine, c'est vraiment, c'est une valeur. C'est l'incarnation vraiment d'une valeur traditionnelle. C'est un modèle pour la société. Quelle image, tant que l'écran à la télévision, tant que vous entrez l'émission et une rencontre, votre pratique à la rango, vraiment, elle est. Bon, je ne peux pas entrer dans le bas. Mais on a yoka bas de balouba. En tout cas, on a incarné. Je donne l'image d'une femme sérieuse, d'une femme qui se respecte. D'une femme tendre. D'une femme, même si on va vous, j'ai une voix amoureuse qui s'est captée. Est-ce que ça ne dérangera pas pâté? Mais beaucoup. Parce qu'au moins, il est difficile. Tu es marié, tu vis dans un foyer, tu as des enfants. Et papa, tu vois, à chaque fois, les téléphones sonnent, et puis, aux hommes, on a battu Bengayo pour te faire des compliments. Donc, parfois, vous êtes aussi accompagné de votre mari,
vous allez dans une fête quelque part, quelqu'un vous dit, mais madame, est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Et puis elle dit, tant sous photo, je suis un peu boué. Non, je dois vraiment montrer à mes enfants que na linga ka ona fan na yo, na lipena na xena moi sinanga que to putana na yo. Tu vois, parfois on est des hommes, hein. Monter ma père Moro et ça là, moi passe. Et puis aussi, il y a des amis, il y a mon papa, famille. La belle famille. On peut, est-ce que moi, c'est vraiment pour maîtriser les sous. Evelyne est trop connue, Evelyne, mais en tout cas, c'est que j'aime à mon mari. A ça, la confiance Moro vis-à-vis de moi parce qu'on se connaît. Donc, tu es bien, Nabiso. Tu es bien, mais tu es bien. Merci, maman. Tu es bien, Nabiso, dans RTMV, dans la radio, au télémessage de vie, tu as un plaisir, PSMOLELO, Yahouyamba, la femme africaine. Moi, je l'appelle la femme africaine parce qu'elle incarne la valeur et la maman belle. Tant que tu as été surtout dans RTNT, il y a des deux ambiés. Lélo, vraiment, il est bon à l'émission Point de vie. Il y a une émission Lélo, il y a moi, mon cœur, dans le côté de la pour comprendre valeur et moi, si vous avez été Lélo. Parce qu'il y a Rosanna, ma cambo, le mini Lélo, par rapport à moi, le déviement, oui, côté de l'open dans le monde, dans la presse, il y a Lélo Internet, il y a tout le monde, tout le pour Yango. Tous à contre. Donc, au moment de l'émission, il y a une émission qui internet, il y a une tombola pour Aka, il y a un mois qui va vous exposer, de vous-même là, aux hommes qui vous. Ah, mais pas si dans mon thème, hein. Je te dis, pas si vraiment dans mon thème, comme on a dit, Moussa Leza et Baby, parce qu'ils ont un peu de temps pour ternir l'image, surtout de la femme et des médias. Parce que la femme de la télévision, la femme des médias, ce n'est pas une femme légère. Ce n'est pas une femme moins instruite. Mais l'image, vous pouvez s'y rendre à moi. Non, non. Il y a toujours regretté l'image en haut. Hein, Billy, il y a toujours regretté l'image en haut. Pourquoi? Parce que déjà, les gens doivent retenir que moi, si un média, ce n'est pas une femme légère. D'abord, c'est une femme qui a étudié. Pour les canaux de télévision, tu ne peux pas sortir au Yo Lekina télé. Non. Il faut avoir étudié et appris les métiers. Ce que Oyekoli métier était, même sur l'État, avoir été coaché par un grand à la qui sont vraiment Moussa Landenge Zalaka. Biso toujours coaching ba lutu mabam. Ba grand journaliste, ba chevronné de la télé. Tu vois Zolu le bling raconte le loyer. Donc lutu benza façonanga il lutu mabam. A travailler nga salingai. Naza produit na naza kanga moto toza moi belé na RTNC wana. Ba mamile la ba Geneviève Vinago si ba mingi ba mama na bolula ka wana. Ba zo coaching. Il y a un grand journaliste qui a été en train de se faire. Il n'y a pas de passé. Donc, tu as coaché. Si tu as un peu de temps, tu as un peu de télévision, tu as une place où tu as un peu de Bali, une place où tu as un peu de escroquer. Parce qu'il y en a qui escroquent aussi les hommes. Dans la télévision. Mais oui, dans la presse. Mais oui, à partir de la presse. Il y a des histoires, il y en a beaucoup. Si on a une bête et l'histoire, et comme Evelyne raconte dans ton émission. Oui. Alors moi, je n'aimerais pas que ça soit vraiment bon. Donc, ça bon. Bah, dernière image, il y a moi, Siwana. Une femme qui a étudié, qui a pris le travail, une femme qui est modèle des sociétés. Hein? Je suis en train de faire un espace dans la chaîne. Je suis en train de faire un problème de la cité dans la télévision. Je suis en train de faire un problème dans la télé. Je suis en train de faire un problème dans la télé. Je suis en train de faire un problème dans la télé. Il faut savoir apprendre. Il faut qu'on utilise la télévision pour des fins utiles. Moi, quand je raconte, et je te dis aujourd'hui, Billy, je te l'ai déjà dit, na plateau no kakoso yambanga, que l'émission Evelyne raconte, ce n'est pas ma conception. C'est la conception de Lutu Maba. C'est lui qui a conçu l'émission. Coach. Et il a estimé que moi, j'allais bien la rendre, cette émission-là. Et beaucoup d'émissions que vous voyez chez nous, bah grand, bah concevoir, bah tali talent, moutouabi, non, toi, tu présentes cette émission. Et c'est comme ça avec la RTNC. Chez nous, c'est ça. Après, c'est l'émission, wana. Mais tant que vous avez tal, vous avez censuré l'histoire. Une émission qui paraît aux yeux de beaucoup de gens un peu banale, mais c'est une émission profonde qui contient bah, leçon et morale et vie. Et moi d'ailleurs, quand il m'avait confié cette émission, j'étais contre parce que déjà je disais, j'avais fait un projet d'émission sur la femme. Je voulais que je produise une émission autour de laquelle les femmes sont là en train de parler des problèmes des sociétés qu'on sort. Il me dit non, Evelyne, c'est bon, je sais, je te connais, tu peux bien faire ça. Mais moi, je préfère que tu fasses ça.
Evelyne raconte, parce qu'il avait suivi une fois, j'étais en train de relater une histoire et j'avais captivé du monde. Lui était là, il me dit, mais c'est très intéressant ce que tu fais. Donc, au coup, ça, là, n'a pas raté. Je me disais, rester à la télévision pendant 30, parce qu'à son époque, j'avais 45 minutes pour raconter. Maintenant, on m'a convaincre. Je vous dis, je m'étais dit, rester pendant 45 minutes, oser raconter. Je lui ai même dit, c'était notre coordonnateur. J'ai dit, mes coordonnateurs, en tout cas, une émission, on a raconté, le magasin m'a dit, raconter, qui va me suivre. Il me dit, toi, tu ne te connais pas. Tu as quelque chose, tu as cette façon-là, c'est inné en toi. Tu sais facilement captiver. Et quand tu parles, tout le monde écoute. Tout le monde est attentionné. Fais cette émission, tu me donneras raison. Mais aujourd'hui, là, je suis devant toi, tu m'as invité grâce à cette émission-là. Donc, il n'y a pas d'idée banale à la télévision. Mais il faut savoir comment s'y prendre. Bada Chantal Kanimbo, Barose Lukanu, Barre. Bon, tu as le modèle, mais code de formation. Ouais, aussi ma mamie, aussi ma Charlie Lumande, a segui toujours dans ce qui n'est à Kokata téléspectateur, il y en a un bois noir, sans les Kamoutounia, sans autant la télévision, sans CPL. Bah la Syrie, Aïcha, et belé. Ba mamie, il est là-bas, et bah Geneviève, bah Nicole Dibam, au moins, on a école en moi. Ça arrive aussi des fois au tourner une mission pour tirer en internet. Oui, mais je suis sur YouTube, Nazali, Evelyne, son bétika Evelyne. Le monde entier aujourd'hui, bah, Evelyne rencontre. Qu'est-ce que le monde entier, derrière les personnalités? En tout cas, les gens me félicitent. Beaucoup de gens me félicitent. Et beaucoup, c'est vrai, bah, monsieur Soukou, les gens parfois sont étonnés, tu vois, par rapport à l'histoire, tant que ça nous a raconté. Et ça, moi, langage, mon coup, c'est ça, on a pour. Et c'est ça, comprendre. Ça, moi, ni le mot obéta, on a pour. Et c'est pour ça que les téléspectateurs, c'est à la tournée de ça. Moi, l'engagement, ma banakine, t'as la hermo, à Koutinchik, hermo, babio, moi, bon. Parce que parfois, les gens ont du mal. Ah, mais Vin, on nous dit qu'il est marié. Au moins, Moutoum Sosa Benga, non, tu mens, madame. Alliance, on a dit, Penza, solo, mais là, c'est bien un langage, on a hermo, quoi, ça, moi, qui y a, qui on. Est-ce qu'on bat la Penza réellement? Qui a, qui a, le côté, on a balabala tout. Ouais. Bon, on a beau t'amander, moi, là, moi, on a dit, on a dit, mais on a dit, moi, il y a bien. Il y a tout ce qu'on a. Donc les gens m'apprécient, mais en tout cas les gens m'apprécient et m'encouragent beaucoup. Bah il faut que je bosse parce que toi on a besoin de solo et d'arabiso et zo fungola biso et puis ça soit ligne de conduite toi bandeline face à une situation un problème d'ennui tu peux aussi prendre. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Point de Vie, c'est le 089-00-6049. Nous avons dit que nous avons dit que nous maman Evelyne rencontre la femme africaine. Et elle a marqué les temps dans mon salaire de journalisme. Elle travaille dans la chaîne de télévision RTNT. On a présenté l'émission Evelyne rencontre Otoye Bié. J'espère que tant que vous avez présenté l'émission, inutile à vous se présenter, inutile de présenter parce que vous avez déjà le Ngio Yébani. Donc, vous avez déjà star. Yaya, aujourd'hui, l'accoutrement, est-ce que c'est très important lorsque moi, si je regarde la TV, accoutrement, tout, identité, se présente devant l'émission. En tout cas, c'est très important. C'est très, très important. Parce que Balobi, on reconnaît les moines par son habit. Hein. Donc, accoutrement, c'est l'identité même de la personne. C'est le prototype même. Donc, beaucoup vont regretter à la longue parce que ça va le rattraper. Lelo, c'est vrai. Mais dans des histoires sérieuses, s'il faut choisir, c'est vrai. Peut-être elle est compétente, oui. L'intelligence, oui, il y en a. Elle peut, oui. Mais l'accoutrement. Mais quelle image? Vous voyez la question, imaginez. Moi, je suis là, oui. Non. Ozangi et l'eau, ma longa, ya motouya simplement parce que tu as négligé. Au kanisi qui est là, tu vois, d'ailleurs, ce qui est exposé, va te battre là en moté. Et l'eau, ça peut être un bon moment, on va te balancer. Donc, accoutrement, c'est très important aussi pour les hommes aussi. Il y a un mini-mini pour présenter la commission, voilà, t'as mini-mini.
Bon, on a la tanyos, on a la veste, on a la boue, on a la liputa, on a la blouse, on a la foulard, on a la tanyos. Mais j'ai fait toujours un effort pour et l'emballe, on a la tanyos. Donc, je me contrôle quoi. Et puis, bon, chez nous, par exemple, à l'époque, à l'outre, ou même si on a la sengaloka, vous pouvez demander, bah, si nous sommes les caca, et pas nous sommes la deux, on a la Josette, Boulamatadi, tout ça, naba, Nadine Boundou, celle qui m'a reçue dans l'émission Auteur d'Olanda. Donc, aux hommes, même à Koutreman, ils ont bien parce que, bah, j'ai eu Sabino déjà. Tu ne peux pas passer avec un décolleté à la télévision. Non, Titiba et celle Libanda. Mais vous gênez les téléspectateurs, ils n'ont pas besoin de ça. Bah, on a besoin de l'eau, yozo, loba. Oh, yozo, pesa, bah, ouais, qui tout, ne bah, on a besoin. Bana besoin va talon de la tite. Tant le biki toko en ce moment là va venir un petit canal. Nga quand j'ai dit à l'autre m'a dit mais cordon vous me donnez une émission pour de la quête. Je vais commencer à parler qui va me suivre. Il me dit non, mais moi l'image, la télé c'est l'image. Quand tu passes, on voit oh monsieur, d'abord le teint est attiré dans le téléspectateur. Na monde aller ba tu pas comment avant ba baby ça va mais moi sois un naturel. Bon, zela non to yokai. Ba yo qui lisu sur le biki toko. Ah, mais ça c'est très bien. Mais ceux qui ont déjà vu la maman, monsieur, ça va, on canne la l'homme. Autant pour les hommes, je te dis, vous ne pouvez pas venir présenter votre émission, Billy. Je te vois là, tu es bien habillé. Merci. Tu es relax, mais bien. Et les gens aiment ça. Parce qu'on sent qu'il y a du sérieux. Mais tant que les gens sont collés, nous tombons libres. Tu es toi, tu es mis en nous, les bananes. Rien. Ils sont en catégorie à battre, c'est vrai, Hollande. Mais des hommes vraiment, oui, bien, bon, c'était l'Orlande à bon. Très bien. La place, il y a mariage, la vie à moi, la moi, c'était la vie à moi, il y a ma maman, il y a un peu de l'autre. Et ça, la place à Libala. Libala, ils ont un peu de l'autre, ils ont très important, les mariages. Mais souvent, nous avons tendance à penser que seul dans la vie, bah, oh, bah, réussir, ce sont des femmes mariées. Non. Ils ont un peu de l'autre. Et puis moi je ne dis pas, je ne vais pas dire aujourd'hui, c'est parce que je suis mariée. Il n'y a pas de sa mission, ma conseil, ça va. Non. Donc une femme pour réussir, ça t'a dans la balle. Non. Même pas. Une femme aussi célibataire qui prend sa vie au sérieux en attendant le mariage, ou alors qui ne veut pas se marier, plutôt, à Monique, non, elle peut faire son chemin. Ndengwana. Tout en respectant les principes de la vie, il y a dignité, il y a personnalité. Pourquoi ne pas réussir? Bah, tu n'as pas réussi, surtout les femmes. Et ça, c'est pas ce babalaté. Libala, oui. Et ça, malamou pour moi aussi. Pour finalité, finalité, n'est pas à Robala. Même la tradition africaine, Robala, la femme est faite pour le mariage. Oui, mais ce n'est pas condition sine qua non. Oh, il faut ça qui peut réussir. Étudier les filles célibataires, bazo tanganan, sera tangi le loi si ça zoom sala, a matipe a commis, le loi koko ma ministre, koko manan, te le baga poya balatende a koko ma ministre, te non! Quitte à elle-même, y'a moi si bien son, que ce soit celle qui est mariée ou a balité, aye bake le mariage, et ça n'a place nango na société na bisou. Et ça malam, ou zéro kabou, tout y'a c'est une institution divine, nous sommes dans une chaîne chrétienne ici. Nous avons établi ça, le mariage, c'est important pour tout être humain. Mais Yango est freiné, moi, si tu as le roi, n'a pas la tête, n'a pas compris ma poste à responsabilité. Non. Tu as pris une rencontre pour l'émancipation de la femme? Oui, je suis pour l'émancipation de la femme et aussi pour la conscientisation de la femme. Parce que j'avais lu un article, je vais d'ailleurs faire une mention en haut, Awa. Et ça, article, l'avenir, hein. C'est un vieux numéro. Où il y a un article qu'un prêtre... Si vous pouvez me montrer. Un prêtre a écrit, c'est vraiment vieux. Quand il m'a donné ça, il m'a dit, en tout cas, mon article est très vieux. J'ai dit, c'est vrai, l'article est vieux, mais le message n'est pas vieux. Donc, on peut toujours l'exploiter. Awa Azoba sur le 8 mars, hein, conscientisation des femmes ou procès contre les hommes. Hein, c'est Abbé Béni Tungiesi, je le salue. Azoba parlait, Awa, il parle dans cet article, Yazola Xabiso, comment la femme elle-même doit se conscientiser. Aïe Bake, d'abord, quand on dit conscientisation des femmes ou procès contre les hommes. Parce que tendance, M. Zalaraton, on célébrer le 8 mars. Eh, bisopé, basi, bisopé, il faut que tu comptes dans la politique, tu as un poste à responsabilité. Donc, bisopé, la parité et tout, c'est vrai. Mais il y a des histoires aussi simples, plus simples même, que la femme peut exploiter et puis à marquer société. Merci. Tout dans le 21e siècle,
et pas là puis moi ça je l'ai pas tiré mon tour parce que post électoral les oya tout le monde peut m'en découper les a passé pas tiré mon tour. Est-ce que maman Evelyne a toujours pensé que le coup? Bien sûr que oui, non pense à Nango et puis non pense à Nango, mais moi je me dis dès qu'on a eu le bas Billy politique tu ne peux pas t'improviser au vent de carbone non comme ça ne marche pas là bas non mais quand on a politique parce qu'il y en a des la preuve tout le monde va débuter à vie. À vie, donc à titre la députée. Non, on ne peut pas être député à vie. Vous êtes une femme, au petit chance, au postulé, au Keikuna. Marqué par époque, na yo consente que non, un tel était au Parlement, à voter qui loi moko boye, et so sécuriser biso basi. T'as la toi na basi na Parlement. Bon, voter qui loi ni pour sécuriser biso basi. Non, pas seulement parce que si on a le bien, non, j'invite les femmes à être féministes. Non, tout le monde n'a pas d'union. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, aux élus, madame, yo kaka, parce que tu as l'argent. Oui, mais que je peux économiser pour la somme, babatou, dans ce bar. Non, nous, on va faire une politique où il y a bien. Moi, je ne peux pas venir ici, je vois, et bien, mes mots, et pour finir le quartier, et bien, il y a un peu de fleurs, comme ça, député. Il faut voter une loi pour sécuriser le Botawana. L'État, par exemple, a voté une loi sur la sécurité, il y a santé à Batou. Aujourd'hui, quand vous allez dans un hôpital, vous payez banana fiche, tiens, avec examen. Mais sous d'autres cieux, non, l'État, il parle déjà sa joie. Tu vas là-bas, aux Anna Cameroun, grave, par exemple, on te demande seulement de payer l'affiche. Tu payes juste l'affiche et le reste est salami parce que l'État déjà a soit 60% ou 50%. Nous voulons des femmes comme ça. Bah, députés à bon, pas des femmes qui nous amènent des fleurs, bah, gèrent des fleurs, dans ma tangue à quartier. Ça veut dire que la femme aujourd'hui peut être un acteur principal pour le développement de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi pas? La femme doit être. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à nos mamans, à nos sœurs? La mais, conscience. Oui, la prise de conscience. Mmh. Et puis la prise de conscience, non seulement ça, bah, distraction. Parce que tu vois, bah, quand nous sommes dans la politique, bon, nous sommes dans la politique, la politique. Donc, les gars, pour tout, soit bon. Non. Il faut soit coaching. Quand vous sortez comme ça, bah, bah, tel, bah, au PCP, moi, projet de société, nous allons lire au petit, bah, ah, tout le monde est pays. Pour que les gens ne soient pas dans le mandat aussi, le monde est là, et Charpillé, on a déposé candidature. Mais vous étiez déjà député. Qu'est-ce que vous avez fait pour la République? Et là, on a voté. Là, il y a tout le monde qui dit non, telle femme. En tout cas, je ne minimise pas nos sœurs. Elles ont du travail à faire. Il y en a qui ont fait du travail. Mais Mamissous, Ozalaï Kak, Ozongissou, Mandam Moussous. Donc, tu es député à vie. Non. On marque l'époque, non, on laisse. Et puis, c'est pourquoi. Si vous êtes député, ça va rappeler à Moussala Moussou, Salaka. Baïbikosa, par exemple, est tel, mais osa député, tu es allé pour un mandat. Mandat no sili, après au tiki osa moussala nao, tu observes de loin. Après, tu peux toujours réessayer. Mais yo, toye ba mouka batika ba député, ata yo. C'est compétent après l'indépendance. Est-ce qu'aujourd'hui, la presse congolaise a évolué, madame? C'est vraiment une question complexe. C'est pas facile à répondre. Bon, on peut dire oui, la presse a évolué parce que moi je ne sais pas, je connais seulement l'histoire de la presse par rapport à ce qu'on nous dit et puis je n'ai pas participé à la première ère des gens qui ont fait la presse. Mais sinon avec l'expérience de nos sœurs, de nos frères, de nos aînés, c'est sûr quand même qu'il y a une certaine évolution. Pourquoi? Parce que on avait fait une émission sur les 50 ans, je crois, il y a Radio-Télévision nationale congolaise, et on nous a présenté des premières femmes téléspeakerines, la première femme qui a présenté le premier journal télévisé et consort, Bazala qui en a babi nabiso. Tout le monde est balobi, qui est bango, n'importe qui est bango, Bazala n'a pas facilité tout ça la montée. Bango internet, ils allaient quitter, il fallait aller lire. Faut aller dans les bibliothèques, faire des recherches, donc ils ont facilité. Mais maintenant là, nous faisons un mot facilité, hein. Donc il y a l'internet, hein. Vous pouvez aller, vous avez besoin d'une information qui est dans Google, Wikipédia, ok. Donc en tout cas, nous faisons un mot. Abi, raison d'ailleurs pour la raison aux autres d'abino, bossa les sous moussala malam koleka. Député, faut voter par loi ou pour sécuriser la population, ou pour que ça nous garantit dans un état. Pour Aza Molobelia peuple, ok, pour un député, mais Molobelia peuple, ok, au peuple, tout mandaté, tout pays, au mandat,
okende ko lobela biso oyo ede biso po situation na biso échanger. Merci. Mboule Bele na musala ngwa journalisme, Evelyne rencontre a commis déjà combien de livres? Bon, au moins déjà Evelyne raconte, c'est déjà un livre. Et si vous voulez, si vous tournez ces livres là, au moins na générique émission na ngati. Na générique Evelyne raconte au moins un livre wana. Il y a plein donc tout ce que je raconte là-bas, ma solution, ce sont des expériences vécues par des personnes, des expériences vraies et vécues par des personnes. Au sombre à ma solo, à Batuto, Bayer Ropé, sont gratuitement. Bon, Bayer Ropé, ça en aille en haut gratuitement. Pourquoi? Parce que moi, je me dis, na éviter na cadre, na soki ba onde ba pesa mbo to nga fona pesa ba mbo. Parce que mutu mo ça la paye autant parce que ma oui, bien sûr, na remercier à bango, mais mutu mo ça tu nga ah, nga na yona nga diso na nga tina diso mo kitoko, na nga na peso mais il faut pesa mbo so te na yona nga mutu nga papa. Donc so yo yona mutu beta no diso na barabal. Poso bet na baba mutu yo kango azati, mais so yepa na nga ba pa yo ka e ko aider ba tu et puis ba pa peso solution. N'habitez na cadre on a eu n'habitez billy so répondre à bon pour passer un tour mais faut n'appeler ça bon source d'inspiration maman Evelyne maman Evelyne source d'inspiration maman Evelyne source d'inspiration nanga c'est justement d'abord natanga j'ai lu hein pour naibandi ni ya ko cause en cohérence dans ce que je dis dans ce que je transmets comme message et aussi batou. La société, c'est une source pour moi d'inspiration. Ça, là, attends, nous sommes à côté d'un transport en commun. Et j'ai bénéficié de ma solo gratuitement. Les gens racontent, mais ma solo, là-bas. Moi, je suis là. Je suis là, peut-être à la fin, mon amour, tout le monde a quoi bien, bon, peut-être les qui n'ont pas yo qui biso. Donc, je m'inspire des faits de société, ma cambo il est caca, batu bayer opi sera ma solo. Donc, en fait, c'est ça. Est-ce que si on peut appeler le solo moro pour y déranger mon colon en haut et puis à menacer? Oui, je suis bête le solo. Bon, je suis d'ailleurs très contente de la question. Pourquoi? Parce que na bête le solo moko, il y a une collègue de service qui m'avait donné cette histoire et les cas dans la famille n'abandon. Alors, quand j'ai raconté l'histoire, pendant que l'émission passait, moi, ma réaction, ma tournée, j'avais enregistré dans Ezekiel en différé. L'émission, je imbécile, pourquoi tu racontes cette histoire-là? Alors, j'ai compris que, peut-être Ezekiel, Moukolo histoire. Je suis rentré le lendemain, j'ai un collègue qui m'a dit, mais selon les fingis, c'est vrai, je suis sous les généraux, je suis sous les sous les gens, je suis sous les gens, je suis sous les gens. A tali numéro, puis elle a reconnu le numéro. Ah, non, je connais la personne. Justement, il y a une décolo histoire. Mais c'est un lâche. Pourquoi il faut finir? A quoi il que même après, mais pourquoi il doit m'ingérer? Ah, ça lâche. Hein? Donc, essaye à Nango et Yaka. Mais bon, on essaye quand même de gérer. Moi, bah, il m'a rabattu une source. Très bien. Nous acheminons lentement ici vers la fin de l'émission de Triana à 10 minutes. Pour ou contre le divorce, madame? Contre. En tout cas, contre le divorce, pourquoi? Parce que c'est l'avenir des enfants qui en dépend. Aujourd'hui, la rue n'a pas fabriqué les enfants, mais nous avons les enfants de la rue, que nous appelons communément les enfants de la rue, et des enfants dits sorciers. Ce ne sont pas des enfants sorciers, mais des enfants dits sorciers, parce que ce sont les autres personnes qui les qualifient des sorciers. Ils ne sont pas sorciers. Donc, Batoune Babengabon, ils peuvent ne pas être des sorciers, mais Babengabon sorcier, Baoutine a divorce. En tout cas, pour moi, je suis contre ça. Natala Mingi Avenir Yabana. Et je me dis aujourd'hui, si mon père et ma mère s'étaient divorcés, je ne serais pas Evelyne raconte. C'est parce que j'ai bénéficié de cet amour, de cet encadrement entre papa et maman, bien que mon père n'est plus de ce monde, paix à son âme. Mais au moins, papa était avec nous il n'y a pas longtemps. Mon père est mort en 2015. Donc papa me souhaite Tikibiso. Et puis il nous disait toujours, ce qui n'a koufi, n'a la koufa. Mais na lingite ke bana nga baloba e nzambe papa tiki biso na pasi papa lobi pasi boza na ngoka ya ozanga papa que je ne serai plus là mais au moins chacun de vous sera bien
il pourra bien s'assumer. C'était sa prière. Et la même prière, moi aussi, je l'ai fait pour mes enfants. Imaginez-vous si mon père et ma mère, parce qu'ils ensemble étaient, je ne serais pas Evelyne raconte. Je ne dis pas que foyer y a divorce, réussi à rater. Mais pour moi, mon souhait n'est pas que divorcer. En tout cas, ils doivent compter, même si la croix jusqu'à la fin. Jusqu'à la gare. Donc, ma malheur passé, mais il faut que je jusqu'à la gare. La télévision vous a payé? Oui, hein? Oui. Sur quel plan? Bon, payé en termes. Matériel. Termes matériels comme profession, Moutounien surtout, doit bénéficier du fruit de son travail. Parce que je travaille et l'État me paye. S'il y a des avantages qu'on accorde aux femmes et aux hommes de la RTNC, j'ai bénéficié. J'ai bénéficié d'une voiture neuve. C'est un avantage par rapport à ma profession, par rapport à mon travail d'abord. Bon, par rapport à la télé, oui aussi, parce que nous avons, j'ai bénéficié de certaines audiences, certaines facilités, simplement parce que je passe à la télévision, simplement parce que je suis Evelyne raconte. Madame, passez. Dans un centre hospitalier, comme madame, c'est vous qui passez. Même le médecin lui-même vous prend avec beaucoup plus de considération. Je me faisais soigner là-bas occasionnellement. Mais lui-même, le médecin, quand il a appris que j'étais journaliste, il me dit, mais madame, pourquoi vous venez ici? C'est pas bon ici, on ne va pas vous donner, tu n'auras pas de guérison maintenant. Il faut aller dans un hôpital spécialisé. Simplement parce que j'étais journaliste. J'ai laissé les autres personnes là-bas, parce que peut-être on a à Hollande. Donc moi, je vais faciliter mon sou, mon audience facile, simplement parce que nous passons à la télévision. Autant qu'il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Des avantages, les alliés, parce que vous êtes trop exposés par rapport aux téléspectateurs qui nous suivent. Mais moi, je me dis, j'ai toujours dit que la femme de télévision n'est pas exposée. Yo, présentateur émission, je vois des caméramans, c'est tout. Peut-être là où tu vas monter l'émission, moi je ne serai pas là où. Donc je ne suis pas exposé. Tout ça, depuis l'émission passe à la télé. Les gens qui vont suivre, s'ils m'appellent pour me contacter, je peux ou ne pas refuser. Donc je peux ou ne pas accepter. Donc je ne suis pas du tout exposé parce que je ne suis pas en contact avec les téléspectateurs. Si c'était à refaire, monsieur Ponamsala Moussoso, Ponamsala. Si c'était à refaire. Non, Sarah Moussala, Sarah. Qu'est-ce que vous répétez aujourd'hui, Nakata Moussala? Bon, je regrette le fait que Batoubazo soit basé à la télévision, basé moko légère. Moi, ça me fait très mal. C'est vrai. Bon, il y en a peut-être qui ont dévié Mouki. Mais en tout cas, je voudrais interpeller les gens. Leur faire savoir que la femme de la télévision, c'est d'abord une femme qui a étudié au même titre qu'une femme qui est médecin, au même titre qu'une femme professeure, au même titre. Donc, Bazandegue Moko. Ne vous fiez pas à des animatrices qui viennent, par exemple, dans le thème Moko Bayaka, on s'exhiber à la télé. Là, on ne peut pas parler vraiment concrètement des journalistes formés. Non. Donc, Batanga, et puis ce sont des modèles. C'est vrai, Batanga, ce sont des faiblesses. Mais vous ne pouvez pas, à partir d'un cas, généraliser que cette télé n'est pas légère, cette télé n'est pas ratée. Mais non, cette télé n'est pas là. Comment je suis mariée, il y a Josette Boulamata qui est mariée, il y en a beaucoup. Virginie Allé, Ebele. Donc, ils ont raison de dire que c'est Bazali. Ce qui moi, c'est le Bazali, nous sommes là pour nous. Très bien, selon les normes, à Moussala. Elle n'ira pas là-bas pour s'exhiber, non. Mais je ne dis pas non plus que ceux qui, par exemple, une jeune fille, elle s'en est bien à la télévision, nous avons des cas de nos consoeurs, Josette Boulamatadi, par exemple. C'est une consoeur, Azulibala à Brazzaville, à partir de la télévision. Donc, nous avons la télé à 8 heures pour suivre Mbala et Bélé, et finalement comprendre que c'est vraiment une fille prototype. Il y a ma fille, il y a Zeki Olukapi, il y a Mbala et Nanae, une Brazzaville. Donc,
Télé, ça, moi, il y a bien encouragé, moi, dans la salle, mais à la salle, dans les normes, à la salle, dans 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 la fertilité. Dans la télévision, il faut savoir réfléchir avant de passer. Je connais quelqu'un qui me disait toujours, si on a bien une scène à l'émission, alors, non, tout le monde va se faire ridicule dans la télévision. Il faut savoir profiter des bonnes relations. Ma relation à ma lame. Les femmes de la télévision, nous sommes des femmes qui ont étudié, tous en maturité. Nous avons une relation à la télévision simplement pour t'humilier. Nous sommes par curiosité. Ça, c'est un conseil profond. Oui, c'est par curiosité. Nous sommes allés faire une raconte à moi, ça m'a dit. Nous sommes allés faire une femme douce, une femme qui parle bien. 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 Le plus beau moment, tant que je suis dans le bal, c'est un moment. Bon, le plus beau moment, quand je suis avec entouré de mes enfants, tout va du penza pour n'a pourquoi, mais nous sommes chacun. Je suis en campus, je suis en campus, En tout cas, pour moi, c'est le plus beau moment dans la famille. En tout cas, ça me fait du bien. Est-ce qu'il arrive à rappeler? Aussi, ma téléphone n'a pas pour moi un message à vous. Ça, c'est vraiment une discipline qui se montre au milieu de ça. Comme il n'y a pas Simba, il y en a dit. Pour Atobo, moi je connais mon mari. Aza, c'est un homme qui peut être à Koko Kouéa Pénétigé. Alors, pour Akouéa, tous ces disciplines, Simba, tu es fondant, tu es Simba. Pour moi, je reçois des messages, je ne connais pas. À la télévision, c'est moi qui t'écris un message, on a eu chose scandaleux. Mais ce bon mobile, il y a Tali Loko, mais c'est fini. Hein? Donc, tu peux savoir discipliner dans la téléphone en bas. Pourquoi? Il y a des relations, il y a plein de relations. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous détestez dans la vie? C'est une dernière question pour ton cabot dans l'émission. Se rôter à la caméra. Et puis il y a un mot de la fin par rapport à toutes les femmes africaines au bazar, à Posa, le bazar de Moussa, le bazar de Moussa, le bazar de Moussa. Ce que j'aime le plus, c'est dans la vie ou bien dans le métier. Dans la vie, dans le métier. Bon, ce que j'aime le plus, c'est le moment où. Quelqu'un fait bien son travail. Hein? Quand tu fais bien ton travail, par exemple, par rapport à ce que je fais, par rapport à Evelyne raconte, dans ce qui diplôme, il y a mérite. Il y a Bravo X. J'étais là, c'était pour moi un grand plaisir. Pourquoi? Parce que je me disais, ça fait toujours bien de savoir qu'il y a quelque part les gens qui vous suivent et qui aiment ce que vous faites. Moni tant on a eu diplôme on a na basali nga émission na chaîne na biso ba tu basali ka baladeur ba babi mais et où me l'écoute diplôme on fallait son bandaka là chef na nga mo senga loka vous directeur coordinateur alubi mais si Evelyne n'avait pas reçu ce diplôme na ngai na ce diplôme je n'allais pas croire à cette association ou organisation qui a fait ce genre de choses. Donc quand je vois Evelyne primé, l'association, c'est une association sérieuse parce qu'elle fait bien son travail. Au moins, ben moment où ce sont des moments inoubliables. Quand tu fais bien ton travail, la satisfaction par rapport à toi-même. Tu sais, quand tu fais bien le travail, la première personne à être satisfaite, c'est toi-même. Moi, ça m'arrive. En tout cas, si je raconte une très belle histoire. Donc, Gamo de ton embête à l'isolant, on a fanatique à l'isolant. Déjà, on a eu ça à l'andinga, bidon, et si ka bozan a habité, pour on a eu au kaki. Donc, on a commis si ka manalingaka. On a commis la satisfaction par rapport au travail bien fait. Quand tu fais bien ton travail, Yomoro Sepeli, ça sont des moments inoubliables, des moments forts. Merci. On m'a mis à d'autres à l'heure. On m'a bishop et m'écoutinon. Un mot par rapport au ministère et à Mama Olo, et puis un mot par rapport à Mama de Victoire, merci Bishop Coutinho Fernandez. En tout cas, je les encourage. Mama Emi, c'est une grande dame. C'est une dame modèle de société que moi j'encourage beaucoup. Nature a Trump Mouba Winnie Mandela. Tu vois, une femme battante, une femme courageuse, une femme qui a tenu le ministère, hein, et qui tient le ministère jusqu'à aujourd'hui. Mobali a Zalakité, nous savons ce qui lui est arrivé, mais elle a tenu le coup.
Ça, ce sont des femmes modèles, des femmes leadership, des femmes qui aujourd'hui, en tout cas, si elle a des ambitions politiques. Moi, je pense, des femmes comme ça, le lot député, elle peut dire un mot. Et puis, elle peut décrocher quelque chose pour Nabiso ma maman. Tout bénéficier pleinement. Au moins, l'homme en faveur de la femme. Parce que c'est une battante. Vous comprenez? Ce que par rapport à Pasteur, je le félicite aussi. En tout cas, et puis je rends grâce à Dieu. C'est une grâce. En tout cas, moi, c'est à Bongo. Qui n'est pas donné à n'importe qui. Hey, Baba, c'est une grâce. Hein? Merci. Le Romina Souka, c'était votre mission Point de vie. Toyamagi, le maman Evelyne Rencontre. La leadership de la femme africaine. Et moi, je l'appelle la maman Dibio, la maman Africa. Donc, elle, lorsqu'elle parle, à gros mémo, puis en Asie, ou en États-Unis, à mémo, on a Boumbou, ou en France, à mémo, on a France, ou en Kinshasa. Je te remercie, je te remercie, directeur trésor Yala, Boris Nawej, Michel Moukendi qui était derrière la caméra, Clément Bekengo, Boris Nawej de l'autre côté, Jigaria, Akasia Giovanni, Milka Galiano, restez scotché si monté au programme de la radio Télé Message de Vie. Ciao. Congo Lipanda. Oh, Congo Lipanda. Jimmy a choqué, a zeli kanisi ya malamu pona ko se pelisa, banambuka Congo. Congo Lipanda, a zeli libango, Congo Lipanda, peningali. Pona kuyeba historia Congo. Landa Congo.